Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Il était une fois, un matin de Noël, où Geoffrey et son double, le deuxième Geoffrey de l'insolite, étaient obligés de se dire joyeux Noël. On est vraiment obligés ? Bah ouais, écoute, c'est la voix qui vient de le dire. Bon bah, joyeux Noël ? Ouais, joyeux Noël quoi. Bon bah ça y est fait, on peut continuer à s'engueuler alors maintenant. Non bah non, on peut pas, non, c'est la trêve de Noël là. Bon bah je vais t'offrir un cadeau alors. Oh, t'as un cadeau pour moi ? Oui, j'ai fait ça pour toi. Bah c'est con parce que moi j'en ai pas. C'est pas grave, tiens, prends. Ouvre. Non merci, en tout cas c'est super gentil, c'est beau. C'est quoi ? C'est un bonnet de Noël. Bon, on dirait une dinde. Mais c'est un bonnet en forme de dinde de Noël. Ah, j'ai compris, c'est parce que tu me fais une blague. C'est un jeu de mots, je l'ose, c'est une farce. Oui ! Et une farce de Noël, donc une farce de dinde. Ah, la bonne blague, justement, c'est ce qu'un homme a voulu faire, une blague à sa femme le matin de Noël. Elle voulait un bijou, notre Américain a donc trouvé une tasse, avec l'anse de la tasse qui fait comme une bague, comme un bijou. Il a donc décidé de cacher la tasse dans une boîte à bijoux, ne laissant apparaître que l'anse de la tasse, laissant croire donc qu'il s'agissait d'une bague dans la boîte. Évidemment, à peine marié, il a donc déjà prévu de divorcer. Il est passé à deux doigts du mariage. Son histoire a pris l'eau, il a bu la tasse. Et j'oserais dire que pour un jour de Noël, pour lui, ça sent le sapin. Alors bien sûr, tout cela, c'est pour la blague. Il avait d'autres cadeaux, d'autres vrais cadeaux. Et c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, ce 25 décembre, qu'on a tous de vrais cadeaux. Et ce sont pas ceux qui sont au bout des doigts, ce sont pas ceux qui brillent, non. C'est ces gens qui vous les offrent, même pour la blague. Joyeux Noël. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.